and we keep complaining, you know. We've been talking for 4 years. You use one statement when you were talking, like, the migration as is a broad, very broad topic, you know. Mixed migrants, economical migrants, refugees, asylum seekers, and what. They are all under migration. Am I right or wrong? Right. You know, people migrate for several reasons. Not just like this economical prospect. I need this, I need that. This is not the point. But how do you feel that today now we are meeting in the camp for the first time, that we have been in this situation for 4 years? You know, sometimes really it's funny, you know. So I believe most persons in the camp, their last thinking is, should we just stop complaining and just wait? Like you talk like you've really deliberated on this topic with several persons, delegates, different kind of people, but it's changing nothing. Rather, the situation is getting worse and worse and worse and worse every day. Today now, I can say, let's say 70 or 75% of the camp inhabitants for this very year now, they decided to cross through the Mediterranean risk to go to Europe. And you and I, we know how risky it is. But you use one point that this is as a result of the Western I don't understand. Yeah. But me, I'm not really thinking of that, because the reason why I'm in the camp has no connection with the Western policy. يقولوا هذا المشاكل وهذا كذا نهار يعني انت مسلم انت كذا وانت كذا انت كذا هذول يعني كافرين وهذا كذا تعال نشيله شنو هي قالت يعني قبل ما دحين عمره 8 سنه قبل يعني ما لازم تمنوا لا لا question c'est qui fait la guerre en Somalie. Oui, j'ai posé la question. J'ai posé la question, ils ont dit, on ne sait pas qui, mais c'est l'argent qui vient de l'étranger, c'est des forces étrangères, ouais. Et qui financent Al-Shabaab, et qui veulent absolument pas avoir une stabilité. Ça veut dire Al-Shabaab, ce qu'elles ont compris, c'est qu'Al-Shabaab ne cherche pas le pouvoir. Ils ne cherchent pas le pouvoir et le gouvernement. Ils veulent tout le temps déstabiliser le pays et c'est tout. D'accord. Est-ce qu'elles comprennent la situation ici en Tunisie, c'est aussi instable en ce moment? Il y a une instabilité? Non. Elles voient le contraire en fait. Ouais. C'est stable. C'est beaucoup plus stable que là où elles viennent. Aucun rapport. D'accord. Ah, vous êtes passé par un drame familial. Oui. Et c'est pour ça que vous savez tout ça. Oui. Parce que qui le sait ici? Qui sait que l'armée, aujourd'hui, elle est prête à tirer? L'armée de chaque pays est prête à tirer pour ses migrants, parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème dans leur pays. Les Européens, ils ne veulent pas avoir à gérer des millions de migrants, oui. les États européens. Oui, oui, ils n'ont pas... voilà. Avant, quand les gens ils partaient sans visa et tout, ils ont besoin des ouvriers et tout. Ils ont, et tu sais, les émigrés, c'est eux qui ont construit l'Europe. Je sais. Pour les bâtiments, pour tout. Mais il y en a une fois une chose qui me plaît beaucoup. Le roi Sakir Mohammed, c'est pas son fils. La France, elle a envoyé des Marocains au Maroc. Lui, il n'a pas voulu que l'avion atterri. Il a dit qu'il ne rentre chez toi. Ils sont allés chez toi à l'âge de 19 ans, et maintenant ils vont m'envoyer qu'ils sont comme ça, non. Reste chez toi. Ouais.